Bon, nouvelle vidéo. En tout cas, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va. Alors, aujourd'hui, je vais vous faire mon bilan de ma rentrée en 3ème. Mais juste avant, comme vous pouvez le voir, j'ai changé de chambre. C'est plus du tout la même car on a déménagé. Mais dans une prochaine vidéo, je vous montrerai ma chambre dès qu'elle sera terminée car je dois encore changer mon lit. J'ai encore plein de choses à faire dans ma chambre. Donc voilà. Et là, je vais vous parler de ma rentrée en 3ème. Alors pour ce qui est de la chambre, je pense qu'on fera une vidéo avant le room tour. Oui. Car c'est énormément demandé. Vous êtes beaucoup à vouloir voir en fait la chambre de Kélia. Donc je pense que dans la prochaine vidéo, donc de dimanche prochain, on va vous montrer sa chambre telle qu'elle est. Voilà, sans son nouveau lit, sans tous les changements. Et on vous expliquera en fait... Qu'est-ce que je vais changer? Voilà, ce qu'elle veut faire dans sa chambre. Et après, plus tard, il y aura le room tour. Oui, mais ce ne sera pas maintenant. Pas maintenant, ok. C'est pour ça qu'avant le room tour, on va vous faire une vidéo où elle vous montre quand même sa chambre, voilà. Et donc, ça résonne pas mal. Parce qu'en fait, elle est vide. Pas en fait, vide, mais il n'y a pas beaucoup, genre elle n'est pas remplie. C'est ça, en fait, ça résonne pas mal car sa chambre, elle est plus grande qu'avant, je trouve. Oui. Et ça fait un peu vide et tout, il n'y a pas de tapis, il y a plein de trucs. Il n'y a pas de choses au mur encore et tout, donc ça fait... ça résonne. Donc désolé si ça rend un peu pas trop bien dans la vidéo. Je sais pas si c'est français ce que j'ai dit, mais on va dire que oui. on est fatigué avec le déménagement, clairement on n'en peut plus. Toi t'as mal partout. Oui, quand alors... Je dis partout, c'est vraiment partout. Jusqu'au doigt d'orteil. C'est ça. Du cerveau au doigt d'orteil. C'est ça, moi c'est une catastrophe. On a tellement déménagé rapidement. Là, elle a une tendinite au poignet droit. Elle a mal... Une tendinite à l'épaule droite. Voilà, elle d'ailleurs, a un kyste à l'épaule. Un kyste au pied. J'ai une sciatique. Bref, j'ai tout enchaîné là durant ces 3 semaines. D'ailleurs, même pour tenir la caméra, comme ça avec ma main droite... Elle galère vraiment. C'est dur, donc on va faire ça assez rapidement la vidéo. Et bref, on s'en fiche de tout ça. On passe directement à ton bilan. Et sur Insta, on a mis un sticker. Voilà, question-réponse pour savoir, vous voulez savoir quoi sur ma rentrée. Voilà, on a du mal à parler, mais c'est la fatigue. Franchement, on a eu la question et tout aussi. Est-ce que ça a été entre la rentrée, le déménagement et tout? Alors clairement, parfait, vraiment, on va pas vous mentir, hein. Rien du tout. C'était un bordel complet, mais oui, vraiment, entre la rentrée, l'anniversaire de Kélia, le déménagement, tout était en même temps, c'était un bordel, ouais. Mais on a géré. Là en vrai, on est enfin un peu plus stable. Ouais, là on est quand même mieux posé, notre appart ressemble enfin à quelque chose. Oui. Il n'y a plus de cartons qui traînent partout et tout. Bon, tout n'est pas bien rangé et tout. Il y a encore des choses à faire. Mais c'est mieux qu'avant. Mais on est déjà bien là. Bref, on passe au bilan de ta rentrée en 3ème. C'est ça. Voilà. Bon, alors comme d'hab, c'est moi qui prends le tel et qui te pose donc les questions qui t'ont été posées. Donc déjà, je tombe sur une question qu'on a répondu juste avant. Avec le déménagement et tout, c'était pas compliqué, la fatigue et tout et tout. Bah en vrai c'était très 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 fatigant. Mais au niveau des cours, bah j'avais pas le choix quoi. Ouais, fallait faire avec dans tous les cas. Oui. C'était compliqué quand même au début, hein. C'était compliqué, mais on a réussi. Oui, c'est le principal. Bon alors, première question. D'ailleurs je pense que c'est une pote à toi. Ouais. Et la question c'est le prof que t'aimes le moins. Non mais la vie... J'en peux plus de toi, tu veux que j'ai des problèmes avec le collège? Non. Après, tu peux dire qui t'aime et qui oui, t'aime pas dans le un respect. Avis. Voilà. Donc déjà, j'ai ma prof de techno, je l'ai depuis 6ème, 4ème, 3ème. J'ai pas changé d'avis. Alors après, j'ai ma prof de physique que j'ai depuis la 5ème, 5ème, 4ème, 3ème. En vrai, je sais pas. Des fois, elle est gentille avec moi, des fois, elle est aiguë avec moi. Vraiment, je sais pas. Après genre je sais pas. Déjà on a fait un cours avec elle, on a eu un contrôle le prochain cours. Il y avait des maths dans de la physique. Ok, d'accord. C'était possible. Après j'ai la prof d'anglais. Parce qu'en fait alors déjà c'est pas le même. C'est pas la même, le même prof que l'an dernier. Là c'est une prof. Ok. Donc en fait je sais pas comment expliquer. Parce que elle en fait à chaque début de cours elle nous interroge sur une leçon au hasard. Et elle nous note sur 20. Du coup, ça c'est grave chiant. Après.
Ça te fait 3 profs. Donc voilà, normalement c'est tout. Donc c'est la prof de techno, physique et anglais. Bon, prochaine question. Est-ce que tu aimes bien ta classe? Sinon, je t'adore. Merci. Alors, au début d'année, ma classe, je l'aimais pas trop. Maintenant, vraiment, je la kiffe. Elle met grave de l'ambiance, à part une personne. Vraiment. On n'en dira pas plus. Normalement, mes potes savent de qui je parle. Voilà. Mais ce sera tout. Ouais. Voilà. Sinon, ta classe, t'aimes bien. Elle est bien, en vrai. Ok. Bon, alors, comme on a déménagé, la question qui revient beaucoup aussi, c'est as-tu changé d'établissement? Non, toujours pas. C'est toujours le même collège. En plus, là, je suis plus proche du collège à pied. Je suis rapprochée du collège. Et d'ailleurs, ce qui fait que finalement, ton frère ira sûrement dans le même collège. Ouais. Malheureusement, c'est pas quelque chose que je voulais. Mais bon. Mais bon, on verra bien comment ça se passe pour lui. Et en vrai, ça ira lui, je pense. Après, là, pour l'instant, ça va la troisième. Ah oui, genre... Ils sont cool, là. Oui, ils sont plus cool, genre au niveau des troisièmes. En tout cas, c'est une impression que j'ai. Donc voilà, donc toujours le même collège depuis la sixième. Ouais. Alors, là, j'ai une question. As-tu encore ton prof de sport qui espionne tes vidéos? PS, t'es incroyable, je t'adore. Merci. Alors non, mais j'aurais préféré garder ce prof de sport-là parce qu'en fait, l'autre, Celui que t'as là en ce moment? Ouais, je l'aime pas. C'est un prof aussi que j'aime pas, que j'aurais déjà rajouté pour la première question. D'accord. Mais vraiment, non, il est grave cool, mon ancien prof de sport. Dès que je le vois, il me parle et tout. Donc, je suis trop deg d'avoir changé le prof de sport. Vraiment, je suis trop deg. Dinguerie. Bon, sachant que là, t'es dispensée de sport. Pendant 3 mois, j'ai eu un cours avec lui. Ça m'a saoulée. Même en dispense moi de sport. Non, après... En gros, j'avais mal à la hanche. Voilà, vous savez très bien, pour ceux qui suivent Kélia depuis le début, elle a des problèmes de hanche. Oui, voilà. Et en fait, dès qu'en sport, ils font de la course, elle est dispensée à chaque fois. Ouais. Voilà, donc déjà, t'es 3 mois tranquille. Ah oui, donc du coup, voilà. Jusqu'à Noël à peu près. Ouais, et je voulais tellement garder l'ancien prof de sport, il est beaucoup plus gentil que celui-là. Hein. Vraiment. Voilà quoi. Dinguerie ça. As-tu des copines dans ta classe? Eh oui, et franchement, je suis grave contente car j'ai demandé d'être avec une pote et je suis avec elle. Et vraiment, elle aurait pas été là, je pense que mon année, elle aurait été nulle quoi. Mais t'as d'autres potes après? Oui, mais il y a vraiment avec une pote que je traîne avec elle quoi, tout le temps. Du D'accord. coup, je suis trop contente de l'avoir, vraiment. Je pense qu'elle se reconnaîtra. Ok. As-tu des profs que tu apprécies? Ah oui, franchement, je suis trop contente. Déjà, j'ai ma prof de français qui est ma prof principale. Franchement, je l'aime trop, franchement. Après, j'ai le même prof de maths que l'an dernier, donc là, je suis trop contente. Et après, j'ai ma prof d'histoire. Franchement, je suis contente car j'ai les 3 profs principaux, on va dire, pour le brevet, qui sont bien. Donc, ouais, maths, français, histoire. Après, les autres, voilà quoi. Prochaine question, est-ce que tu as eu des bonnes notes depuis la rentrée là? Oui, oui, je suis contente de moi, donc un 17 sur 20. En quoi? En français. Waouh! Un 14,5 en maths sur 20. Et je crois que j'ai eu un 14 en anglais sur 20. Ok, bon, c'est déjà bien là. Oui, après j'ai eu un 4,5 sur 5 en techno. J'ai eu après un 6 sur 10 en français, mais. Ok. On parle pas des mauvaises notes, bien sûr. Ça viendra, je pense. J'ai vu une question. Là, j'ai eu une mauvaise note pour le moment. On va voir après. Ça va! Que penses-tu du fait que le brevet soit décalé au 1er et 2 juillet? Bah franchement dinguerie et c'est des fous hein. Franchement tout le 2009 là ils ont envie de le tuer. Et le 1er et 2 juillet on tue personne déjà pour commencer hein, on va non, éviter. Non mais on devrait tous se révolter le 2009 hein. Ils ont un truc contre nous. J'avoue je trouve que c'est abusé quand même hein. Mais oui juste pour pas être en vacances en avance. Mais MDR lui oh. C'est bon là c'est bon je suis aigrie. Bah la fameuse question, quelle est ta moins bonne note depuis la rentrée? J'ai pas le choix de la dire. Bah écoute, hein, c'est la question. Alors? En vrai, elle l'a pas encore mis sur pronote. Attends, j'ai deux mauvaises notes. Ça va, elle l'a pas encore mis sur pronote, mais je te l'ai dit. Mais il y en a une sur pronote déjà. Oui, mais je crois que tu peux déjà la dire. Je crois que moi, elle m'a oublié, hein, parce qu'elle a mis à tout le monde la note sauf à moi. Ouais, donc vas-y. J'ai eu 1 sur 10 en physique là. On parle de maths alors qu'on est en physique. Okay. À comprendre.
Et après, question suivante. Non, non, vas-y, après. Non, mais c'est en français, je suis nulle en français aussi. Non, mais c'est quoi surtout? C'est en quoi? En réécriture. Non, en dictée. Donc, en fait... Et t'as eu combien en dictée? 20 sur 20. Non, non, t'as eu combien en dictée? T'enlèves 19 avant. T'as eu combien en dictée? 1 sur 10. Bravo, Kélia. Tu commences bien l'année, dis donc. Non, mais et tout le monde a eu des zéros? Mais je m'en fous de tout le monde. Mais bon, j'en étais sûre. En fait, on a deux chances. En fait, on a une chance, on fait la dictée et tout. Après, elle nous met les fautes. Et après, genre, elle nous dit les fautes qu'on a et on doit les corriger. Ouais. Et tirer pas du combien de fautes et combien après. Bref, et c'était pas ouf quoi. Ouais, après je crois que c'est tout. Hein. C'est déjà bien. Voilà quoi. Est-ce que tu aimes ton nouvel... Aimes-tu ton nouvel emploi du temps? J'essaye de lire ce que je vois. C'est français ça? Oui, aimes-tu ton nouvel emploi du temps? C'est pas ton nouveau emploi du temps. Ton nouvel, ton nouveau. Bref, est-ce que t'aimes ton emploi du temps? En vrai, oui, il est bien. Franchement, j'ai grave de la chance. Donc, on ne l'a pas encore imprimé. Donc, je vais vous dire les horaires que je fais chaque jour. Sachant, comme je suis dispensée de sport, bah, le mercredi, je commence à 11h pendant 3 mois. Et il y a un vendredi sur deux, je finis à midi. Ouais. Donc, je profite. Donc, le lundi, en semaine A, je fais du 9h05, midi 5. Et après, l'après-midi, je recommence à 13h35 pour finir à 16h40. En semaine B, le lundi, je fais du 9h05, 11h10. Et j'en prends l'après-midi à 13h35 pour finir à 16h40. En semaine A, pour le mardi, je fais du 8h05, 8h05, midi 5. Et l'après-midi, je fais du 13h35, 15h30. Semaine B, c'est pareil. Après le mercredi, normalement j'ai fait du 8h05, midi 5. Mais comme je suis dispensée de sport pendant 2 mois, je fais. Non, 3 mois. Oui, 3 mois, je fais du 11h10, midi 5. Car normalement on a études entre sport et français. En fait, t'as sport de 8 à 10. Et j'ai. Une heure d'études. Voilà. Ok, d'accord. C'est ça, pareil pour semaine A et semaine B. D'accord. Après le jeudi, en semaine A, je fais du 8h05, midi 5 et l'après-midi, je fais 13h35, 16h40. En semaine B, je fais du 8h05, midi 5, 13h35, 15h30. Donc voilà. Et le vendredi, je fais du 8h05, midi 5, du 13h35, 15h30 en semaine A. Mais comme j'ai sport, je finis à midi. Car voilà. Voilà. Et en semaine B, je fais du 8h05, midi 5, 13h35, 15h30. Voilà, en vrai, mon emploi du temps, il est grave bien. Sinon, est-ce que tout s'est bien passé à la rentrée? Sinon, je vous adore. Merci. Alors oui, tout s'est bien passé à la rentrée. Oui. Bon, prochaine question. Est-ce qu'il y a des gens qui te reconnaissent? Oui, et c'est des sixièmes, les nouveaux. Alors ensuite, est-ce que le règlement est toujours pareil avec des emojis MDR derrière? Oui, c'est toujours le même. En plus là on a un nouveau directeur. Donc en fait on n'a pas le droit de mettre de crop top haut qui laisse apparaître le ventre. Ou de jeans très déchirés. Sinon on a une observation. Après on a, ils appellent nos parents. Et sinon après en troisièmement on a un conseil discipline je crois. Un truc comme ça. Donc voilà, alors moi j'ai mis des jeans pas trop troués et ça passe. Donc voilà. En fait, Kélia aimait ses jeans à trous. Parce qu'en fait, elle sait pas en fait si ça passe ou pas. Oui, voilà. Donc en fait, elle met pour tenter. Voilà. Et si après on lui dit non, Kélia c'est trop troué, là elle remettra pas. Voilà. Mais c'est toujours pareil. Oui, en vrai, c'est chiant, mais. On n'a pas le choix quoi. Il reste encore une année. Ce sera pareil au lycée, je pense, dans tous les cas. Hein, ce sera la même chose. J'espère pas. Donc, est-ce que tu as le même prof d'anglais que l'an dernier? Non, et heureusement, car apparemment, il est plus sévère. Ok. Bon, voilà. Heureusement que tu l'as pas. Oui. Est-ce que tu te trouves surchargée avec les devoirs et les évals? En vrai, pour le moment, ça passe. Car en fait, je vois trop de TikTok en mode de... plus en pouvoir ou non, être épuisé ou être épuisé, et ils montrent en mode les devoirs qu'ils ont
Et moi, en vrai, entre guillemets, je trouve que j'ai pas beaucoup de devoirs comparé à eux, ou j'en ai un peu moins. Après, là, au niveau des contrôles, on en a fait quelques-uns à la rentrée. Et je sais que cette semaine-là, j'en ai trois. Ok. Donc voilà. Mais en vrai, pour le moment, on n'est pas trop. Ça passe quoi. Mais voilà quand ça passe. Alors, est-ce que dans ton collège, t'as le droit d'utiliser ton téléphone en récréation? Continue, YouTube, t'es la best. Merci. Alors non, malheureusement, on n'a pas le droit. Est-ce que tu as un crush dans ta classe? Non. Alors, comment ça se passe avec tes professeurs par rapport à YouTube? En vrai, ça se passe bien. Tous mes profs le savent, je te les réseaux dans tous les cas. Et une fois, en anglais, c'était grave drôle. En mode, on était en fin d'info et tout. Et on avait une feuille notée à faire. D'où mon 14 sur 20. Et en mode, j'étais avec une pote à moi. Et elle savait pas comment faire. Et en mode, elle demande à la prof comment on fait. Et la prof, elle dit. T'inquiète pas, demande à Kélia, essaie de bien faire comme elle est sur les réseaux. On s'est regardé, on était mortes de rire, mais en vrai, j'ai bien pris, hein, j'ai pas mal pris, mais c'était trop drôle. Mais sinon, non, j'ai aucune remarque. Ah, si, peut-être une fois, mon ancien prof de sport et tout, il m'a dit, ouais, est-ce que tu vas faire la vidéo bien de ma rentrée? J'ai dit oui, mais je sais pas ce que je vais dire, à part dire que tous mes profs sont bien et que le collège il est bien. Il m'a dit, en vrai, tu peux faire attention et tout à ce que tu dis, mais voilà quoi. Et je me dis, je pourrais dire quoi pour pas me faire gueuler dessus. Il m'a dit, dis ton avis sans trop être méchante. T'as dit ça là, début d'année? Oui, voilà quoi, vraiment, c'était trop drôle ça. Mais du coup, je pense que demain à 9h, ils vont regarder ma vidéo. Hein. Ah, ta vidéo bilan, on dit rien de mal là. J'ai trop de trucs que je voulais dire, mais Non, non, je là calme mes franchement, nerfs, tu vois. on reste soft, hein. Oui. Bon, normalement, j'ai fait le tour du côté des questions. C'est souvent la même chose qui revient. Donc voilà. Normalement, j'ai tout dit. Ah oui, non. Franchement, mes surveillants, c'est des pépites. Franchement, je les kiffe trop. Tous? Oui, tous. Ok, d'accord. Franchement, pépites. Alors bon, après, j'ai un surveillant que je kiffe. Malheureusement, il est plus là, mais normalement, il revient. Mais sinon, après, j'ai d'autres surveillants que je kiffe. Donc en vrai, ça, c'est grave bien. Mais normalement, je vous ai tout dit. Bref, dites-moi dans les commentaires comment s'est passée votre rentrée. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous dis à très vite pour les prochaines vidéos. Bisous à tous!